Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci à pile parce qu'avec nous, on a le ça sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mis au point. Réalité pays en fait encore pour la mi-temps échange nous jeudi. Puis nous souhaitons nous sortir dans sa nouille là. En pile qui est sauté, en pile tête chargée, vraiment nous préoccupés, surtout par rapport à la situation sécuritaire pays. Question kidnapping, question insécurité, bagaille ça, mettant pile glonanger. Puis fort dans la population, je veux dire. Mettez sous ça, et situation politique là, pas fini trop clair. Référendum, élection, pile par en pile. Il y a des acteurs qui pas suspendre le levé voyou pour proposer un chita parler, un rumble, un parler, un dialogue. Chaque pour les gens ou quoi qui capi bon. Hein? Mais finalité, c'est assurer que acteurs mettez d'accord sur qui ça voulait pour payer dans le jour cap vinila yo parce que vraiment gampil incertitude. Des partis politiques en place pas qui va gagner trop longtemps depuis il lancé officiellement comme parti politique qui commençons en démarche bon côté des responsables de partis politiques pour crio mandéo expliquer aux nécessités pour chiter ensemble pour discuter pour garder qui ça capable faire parce que selon les partis place pas dialogue là c'est seul porte sortie nous par rapport à ça la vie je veux dire. Nous allons regarder dans le programme là qui ça et motivation pour se payer. Nous allons regarder tout. Comment le dialogue ça capable de vivre fait. Là, nous connaissons plus fort acteur ou bien chaque groupe qui a décidé de rester subit pour nous faire payer. Chaque groupe qui a ses positions payer qui est plus bon et essayer de aider nous sortir. Et puis, après, au fin de vos élections, qui l'autre étape, le quoi que tu as franchi pour assurer que le dialogue que vous souhaitez faire, le dialogue que tu as remis qui arrive à, l'étourne en réalité. Voilà en gros, et quelques n'importe, par la mi-temps échangeons avec le président, parti place par professeur Dieudonné Lérisson, qui a accepté de répondre aux questions de télévision nationale Haïti. Professeur Lérisson, merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous matin. Bonjour Serginho, bonjour à Metteur en audio, bonjour à la direction générale télévision. Un bonjour à peuple haïtien qui est très résilient à toute. Problème que l'on en proie depuis environ 216 années d'indépendance. Une salutation spéciale à même directoire Patia qui a gardé nous là, à différents membres de coordination départementale, nous yo, coordination communale nous yo, à travers le pays. Une salutation spéciale pour nous. Dans le département sud-est, dirigeant Patia dans le département sud-est, dans la commune Marigot. C'est un plaisir pour moi avec vous sur plateau A ce matin. Parfait. Alors, nous allons parler de démarche principale, mais on se dit tout à l'heure dans l'introduction, professeur Lérisson, peuple résilient, 216 années depuis la prend coup. Mais pendant le dernier moment, ça, on a la vie plus raide. Il y a des situations ici, pas de gens qu'on connaît, mais c'est Kounia qu'on connaît. Et ou pas quoi que je dis, même si le peuple là, c'est un peuple qui est résilient, mais ou pas senti le bouquet, ou pas senti le fatigué? Justement, et Serginho, nous-mêmes, dans la partie PLANSPA, partie Plateforme Nationale Secteur Populaire Haïtien, nous préoccupons au plus haut niveau, même j'ai avec un pilote acteur dans le pays. Nous croyons dans la partie PLANSPA, Haïti n'a pas qu'à descendre plus bas que côté de l'île là. C'est ça que fait. Nous croyons, après 216 années d'indépendance, Haïti n'a connu ni tolérance, ni instabilité, ni progrès. À cause que nous-mêmes Haïtiens, nous pas transcendé son indifférence. Nous-mêmes Haïtiens, nous pas transcendé sous désaccord nous yo. Nous pas transcendé sous ça nous rien comme mésentente. Pas pendant une fois nous pas choisi chita pour nous vider contentieux historique yo, pour nous vider contentieux politique yo. Nous chaque côté bon côté pas nous. Un pays pas capable fonctionner comme ça. Et c'est ça qui mène nous dans le niveau de pauvreté, niveau de pourrissement de la crise haïtienne.
c'est parce que nous pas choisi Chita. Chaque fois qu'il y a des groupes haïtiens Chita, yo Chita seulement pour transformer Haïti en un gâteau, pour séparer gâteau. Nous n'avons pas qu'à Chita seulement pour qui Jean gouvernement pour monter. Faut finalement nous Chita pour nous décider qui Jean qui orientation pour nous bailler. OK. Avenir pays. Parfait. Alors on dit lui nous pas qu'à descendre plus bas parce que ça. Nous pas qu'à descendre. Mais chaque jour plus bas quoi me souvler Serginho Ledor. Plus bas que nous ta descendre c'est vers l'effondrement. Pas un drame, mais chaque fois nous dit ça professeur Lérisson, on l'autre événement passé vous ouais dans le plus fort que côté nous hier. Sous taille pour fixer responsabilité par rapport avec monde qui la cause je dis à nous côté nous hier. C'est qui est sur taille, c'est qui groupe yo ta capable. Et Serginho nous même n'a pas de place pas pionnier de l'équilibre politique et social en Haïti. Nous pas gagné pour nous râler dra sur personne moun pour nous couvrir ou l'autre groupe moun. C'est nous tous qui coupables. Mais pas tout le monde qui a dirigé, pas tout le monde qui a fait politique dans le pays. Quoi, si vous voulez, Serginho, tout acteur politique coupable, acteur économique coupable, élite intellectuelle coupable. Dans quel sens coupable? Pendant pas au cap diriger, pas au cap prendre décision au pays. Non, mon cap diriger, faudrait-il que l'on ait l'attitude, faut l'élite ouvert bras, l'invite l'autre acteur pour venir dialoguer sur l'avenir pays, pour planifier le développement pays, faut pas de récalcitrant. Aucun démocrate sous la terre bénie, ou moun qui choisit la démocratie comme régime politique, ou pas qu'a dit ou pas chita pour dialoguer, pour poser problème pays. Mais pas qu'a chita pour chita, tout pas qu'a un dialogue dessous. Il pas qu'a fait tout ça par sincérité dans la démarche là tout pour une solution. Justement, Serginho, c'est ça plan spa AP, prenez là. Je dis, dans le cas où nous sommes là, après 216 ans d'indépendance, et plus précisément, on prend 35 années, 36 années, après la bataille 86, pour la bataille 86 qui te met fin à un régime dictatorial, nous rentrons dans un régime démocratique. Tout le monde te croit. Bataille 86 t'a inauguré une nouvelle ère pour te mettre le pays à sous voie progrès et développement durable. Bataille 86 il a un seul résultat. La liberté d'expression, je dis, qui est en péril. Donc, bataille 86 yo conduit nous à une transition indéfinie. Mais c'est acteur yo, c'est acteur politique yo, acteur religieux yo, c'est élite religieuse yo, c'est acteur religieux yo, c'est élite intellectuelle yo. Moun ki nan société société civile, ki nan classe des affaires, c'est yo même qui gen responsabilité. Je dis, c'est vrai, il y a un chef de l'État qui est sorti dans l'élection. Mais c'est pour nous comprendre, pendant 4 ans, le mandat qu'il fait là, son bataille, c'est une bataille seulement pour la prise du pouvoir. Mais ce n'est pas une bataille pour planifier le développement du pays. Ce n'est pas une bataille pour définir des politiques publiques qui pour adresser problème éducation, problème santé, problème sécurité publique qui jodi a qui c'est le plus gros mal que nous-mêmes n'a vive dans la société. Mais vous estimez que suffisamment fait pendant 4 ans pour te faciliter le dialogue ça avec acteurs qui en face. Justement, c'est ça que fait.
nous-mêmes dans le parti PLASPA, nous encourager chef l'État qui gagne un mandat peuple en main pour faire un dépassement de soi, pour voir un signal clair par acteurs politiques, élite intellectuelle, élite économique, élite religieuse, pour voir un signal clair pour faire marcher contre eux. Pour débarquer la caille André Michel, pour débarquer la caille ancien président Jean-Bertrand Aristide, pour débarquer la caille Don Cato, Paul Denis, Edmond Supplice, Bozil, pour la dire après 216 années d'indépendance, nous arrivons à un côté, il faut qu'on halte là, au moins. Faut qu'on bag, si pas qu'on bagaille qui fait, Haïti a effondré. Maintenant, est-ce qu'on va estimer là, je dis, vu côté nous est arrivé là, il n'y a pas trop de temps pour un bagaille comme ça? Est-ce que le cabri de tabac est fini à rentrer et puis c'est la soirée pour les fermer barrières? Le dialogue, c'est la seule porte de sortie. Heureusement, Haïti n'est pas en guerre. Acteurs n'ont pas en guerre. Ils n'ont pas en guerre. Pays qui a la guerre, c'est le dialogue qu'ils ont utilisé pour résoudre le problème. Nous ne sommes pas encore en guerre. C'est vrai, Haïti, c'est une terre de conflit. Et conflit, ça que la cause, c'est injustice sociale, c'est intolérance, mauvaise répartition de richesses. Refus de dialoguer, c'est ça qui source conflit de 1805 à 1987. Nous connaissons déjà environ une vingtaine de constitutions. L'en considérer une constitution, c'est l'instrument juridique qui trace comment un État doit organiser. Il n'est pas normal, je dis, pour Haïti gagner une constitution qui crée déséquilibre entre les pouvoirs publics, une constitution qui divise toute société. Nous allons parler de ça vite devant, sur question et référendum. Nous avons besoin qu'on ait qui j'en place par elle. Mais depuis après 6-7 juillet, professeur Lérisson, 2018, tout événement connecté arrivé dans le pays, il y a une pile tentative qui t'a faite pour Chita parler sa fête. Nous faisons 2017-2018 là, le Paris-Vé fait déjà le souhaité, 2019 la même bagaille là, 2020, et pas trop loin d'annonciature là, tu as une tentative, et bien là tu es presque arrivé dans le bout de lit, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et acteur de l'opposition, chaque fois parler au dit, ils n'ont pas remarqué volonté bon côté exécutif là, pour jouer une entente vraie. Ils ont toujours remis en question sincérité, ou bien si elle parle au dit, ça exécutif là dit, ouais, et pas lui le fait. Mais dans nos situations comme ça, comment parlement des acteurs Alchita pendant que pas gagne confiance, pas gagne, n'est-ce pas vrai, et possibilité pour quoi dans ça exécutif là peut-être pas le dire. Ouais. C'est génial. Chef de l'État a arrêté 9 mois pour mandat fini. 7 février 2022, c'est la fin du mandat du président de la République. Je dis à nous-mêmes, dans le parti principal, n'a mandé acteurs politiques, quel que soit côté yo ta positionné, nous avons une question pour vous. Et après mandat président Jovenel Moïse, ça n'a pas avec le pays. Est-ce que le pays c'est pour président Jovenel Moïse lié seulement? Le pays nous appartient. C'est le pays de Jean-Bertrand Aristide, c'est le pays de Michel Martelly, c'est le pays de Jean-Charles Moïse, c'est le pays de Don Cato, et Antonio, cher ami, c'est le pays de Rica Pierre, c'est le pays de Yuri Latortue, c'est notre pays. Finalement, il faut qu'on halte là et n'a encouragé chef l'État pour voir un signal clair, puisque acteur dit, il n'est pas inspiré confiance, nous
encourager chef l'État à 9 mois de la fin de son mandat pour envoyer un signal clair. Bye, acteur yo. Faut qu'on chita parler. Qui ça signal là t'a droyé? Signal là, c'est pour, par exemple, dans le dossier référendum. Pendant que des acteurs, tout acteur d'accord, toute société a d'accord, faut pays a l'autre constitution. Tout acteur est d'accord à un changement constitutionnel parce que vous comprenez la constitution 1987 là, il crée un déséquilibre dans la société. Il met le pouvoir dos à dos. Par exemple, il y a un signal clair. Chef l'État, t'as dû demander instance qui en charge référendum constitutionnel là pour Bali, demander pour yon fonti campé pendant 72 heures, pendant une semaine. Lui-même, entre-temps, pour chef l'État, marcher contre avec acteur yo, pour dire qu'il y a nécessité, je dis, pour nous chita, sous problème instabilité politique là, sous problème insécurité là, sous problème kidnapping là, sous problème référendum dans changement constitution là, sous problème élection yo, automatiquement acteur yo wè, président font adresse à la nation, li mande instance qui chargé de référendum pour font ti campé pendant une semaine. Là ça c'est un signal positif que la bien, parce que référendum constitutionnel là, c'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas le projet du président de la République. Projet nouveau constitution, ce n'est pas projet du président de la République. C'est projet chaque grand haïtien. Mais quand il y a un secteur qui a un problème, je l'ai fait là. C'est ça que fait. C'est ça que nous-mêmes, dans le parti principal, nous demander, chef l'État, nous demander un consensus largement large. De toute façon, changement. Constitution, nouveau constitution, c'est une nécessité liée. Toute société a d'accord. Chef l'État doit envoyer un signal, une adresse à la nation pour dire acteurs, pouvoir exécutif là, prend une semaine, la prend 15 jours pour affronter. Campé sous processus référendum et pour inviter tout acteur au dialogue et acteur eux-mêmes ba yo opportunité pour yo choisir qui instance qui pral jouer rôle médiation. Maintenant qu'on y a là, on parle de mettre date sous campé pour processus référendum non, mais sous pral non dialogue. Ça qui arrive, l'arrivée dans le dialogue, l'acteur même pas intéressé à ce référendum de Kounia. C'est de l'autre préoccupation que gagne. Donc, si nous prenons un dialogue qui peut déboucher sur une solution réelle, faut que tout le monde parle pour discuter sur toute bagaille. Maintenant, si déjà on dit c'est pour une semaine, c'est pour 72 heures, c'est parce que là, on déjà quoi, faut qu'on fasse quand même. On voit que ça pose des problèmes. De toute façon, Serginho, toute société est d'accord. Nécessité pour qu'on nouveau constitution. Mais on remet la question face à la fête là, ça me dit. C'est ça que fait, nous-mêmes dans le parti Place Pas, nous demandons un large consensus.
li pa ka fèt nan jan député Jerry ta Dieu ta fè la li pa ka fèt nan jan instance ki chargé pou kondwi projet référendum nan a fèt lan côté université l'état côté université pays a côté la jeunesse qui représentait plus de 62% de la population côté engagement yo côté engagement du secteur des femmes qui représentait plus que 62% côté engagement handicapé yo qui représentait environ 10% côté engagement secteur paysan élite religieuse élite économique côté engagement yo you nouveau constitution li pral engagé avenir pays a avenir chaque haïtien faut qu'on large consensus maintenant ou quoi parti plan pas nous pour le référendum constitutionnel nous pour un nouveau constitution parce que nous croyons faut que nous finis avec le système de conflit ça qui érigé en régime politique en Haïti. Alors pour le conflit je dis à living tourner un régime politique. Parfait. Conflit yo suscité coup d'état. Conflit yo occasionné assassinat politique. Conflit yo occasionné manifestation toute la semaine journée. Destruction bien l'état, destruction bien public. Exécution sommaire. Faut que nous finissions avec ça. Alors, Serginho, si vous permettez-moi. Allez-y vite. En 1994, la société dominicaine était en proie à des conflits pareils. Mais élite politique, élite économique, élite religieuse, élite sociale, élite intellectuelle en République dominicaine, ils te mettaient tout intérêt personnel de côté, ils te prennent chemin dialogue, ils te vidé contentieux historique, ils vidé contentieux politique, et jodia, ils prennent 25 ans de 1994 à 2021, ils prennent 25 ans pour construire pays, jodia. La République dominicaine, c'est le pays émergent de la Caraïbe. Côté ça n'a pas qu'à faire. Okay, mais côté ça haïtien n'a pas qu'à faire. Sauf que non, alors que nous-mêmes haïtiens, nous prenons 35 ans après bataille, après bataille 1986, nous prenons 25 ans pour nous craser le pays. Parfait, maintenant, pas normal. Sauf que la République dominicaine, nous prenons exemple, là, et l'autre pays, nous prenons exemple matin, il y a certaines volontés, bon côté tout secteur. Mais ça n'a pas assisté là, nous pas avoir volonté ça, d'un côté comme de l'autre. Chaque monde avance sur route, tête droite. Chaque monde a un agenda yo, et au fidèle agenda, yo, ça va tenir compte de reste population. C'est dans ça nous y est, je veux dire. Oui, mais Serginho, je veux dire, les acteurs politiques ont un agenda. Ils ont pour tête, mais ils ont pour peuple haïtien. Moi, c'est ça qu'a fait là, peuple haïtien, qu'a fait là? Non, mais c'est parce que nous-mêmes, dans le parti PLANSPAR, nous dit. Pour une fois que acteurs politiques, que acteurs économiques, élite religieuse, élite intellectuelle, que finalement yo mettez peuple haïtien dans agenda yo. Pendant 216 années, alors après 216 années d'indépendance, nous pas capables seulement ces intérêts personnels nous. Que n'a pas priorisé. Je dis à Dessalines te mouri parce que il te mettait en premier
intérêt pays d'Haïti, l'idéal dessalinien, il était incarné, l'état progressiste, un état moderne, qui était chita sur justice sociale, sur la solidarité, sur la fraternité, le bien-être collectif. Aujourd'hui, nous autres, du parti PLASPA, notre combat inscrit dans la dynamique de l'idéal dessalinien. Maintenant, vous dites signal là, doit sortir bon côté et président de la République là. Tout à fait. C'est lui qui vous baisse. Mais, fuck, acteurs et tout, yo fait preuve de bonne volonté pour comprendre. Jodi a, pays d'Haïti, pas qu'à arriver plus bas que côté rivé là. Mais là, vous avez un acteur qui a dit tout. Ah, et pas vous faites arriver plus bas, ça c'est pas vous qui avez dirigé l'État depuis 3 ou 4 ans là. Alors, pour qui ça coûte normalement pour mal discuter avec les gens qui sont responsables de ça? Sur tout ça, soit répondu. Je vais prendre un exemple, Serginho. Je vais prendre deux exemples là. Allez-y. Sous l'administration président Michel Martelly, il n'y a pas eu des zones de non-droit. T'es que la vie nocturne pendant mandat Michel Martelly. Même si c'était soleil, qu'on ait des championnats de football qui qu'on a fait là. Et on prend deux dates importantes. Février 2013, l'administration de Michel Martelly avait accueilli pour la première fois en Haïti le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement composant la CARICOM. Et il y avait plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient siégés en Haïti. Il y a des efforts de faire. Sous l'administration Michel Martelly, zéro kidnapping. Nous tous rappelons une grosse arrestation qui était faite. Après arrestation, ça a zéro kidnapping. Pour l'autre date que je prends encore, l'histoire retient. En août 2015, Haïti accueillit 12e édition CARIFiesta. Il y a des milliers de personnes venues de plusieurs pays, notamment des pays de la Caraïbe. Tout ça pour dire quoi, monsieur? C'est pour dire que il y a un dépassement qui a commencé à faire. Dialogue a commencé à bailler. Résultat, après mandat, Michel Martelly, un an de transition, presque crasé tout effort de facture. Sauf que quand il y a parce que l'administration président Martelly n'a pas fait élection, qui permet que nous venons dans ça. De toute façon, ce même problème dialogue là qui cause président Martelly pas privé faire alors l'élection était commencé. C'est pas fini. Et l'élection était commencé parce que sous président Martelly gagne élection législative qui était faite. C'est le premier tour, élection présidentielle, c'est pour comprendre, tu as gagné une volonté, bon côté acteur, tu as gagné une volonté tout, bon côté président Michel Martelly, pour progrès à yo, tu as réalisé. Mais après un an, mandat Michel Martelly, tout est fort, ça a écrasé. Maintenant, c'est volonté ça qui parle aujourd'hui, on le dit, non? C'est volonté ça qui parle. Non. Alors, et volonté, bon côté acteur politique. Nous certains, chefs d'État, lancés à plusieurs reprises
le dialogue inter-haïtien. Comme acteur dit, manquer une confiance. Je dis, nous-mêmes dans parti plan SPA, nous tout le monde connaît. Parti plan SPA, c'est un parti qui proche régime en place là. N'a demandé président de la République là, président Jovenel Moïse, qui a mandat peuple à la même, qui a fini 7 février 2022, pour vous un signal clair par un acteur. Pour lui, faut marcher contre lui. Mm-hmm. Pour le passer maintenant à tête opposant. Pour dire aussi, pendant 4 ans, mandat, si que des bagages que lui, pas fait, dans l'intérêt pays, dans 9 mois que le RETEA, il décide pour le faire dans l'intérêt peuple haïtien, pour nous capables de combattre avec phénomène kidnapping, phénomène insécurité, pour finalement nous mettre d'accord pour nous doter le pays de une nouvelle constitution. Parfait. Pour nous mettre d'accord pour nous faire désarmement dans le quartier populaire, pour nous mettre d'accord pour nous organiser des élections démocratiques, des élections crédibles, pour nous renouveler personnel politique pays avec le conseil électoral qui est équilibré. Parfait. Maintenant, là, Kounia, vous parlez de signal qui doit voir, mais pour l'instant, nous remarquons qu'il y a des spots qui ont fait promotion 27 juin pour l'organisation référendum dans le pays. D'ailleurs, CEP a fait notre sortie, côté l'annoncé 26 avril à la minuit, il a fermé liste pour question référendum. Non, les gens qui n'ont pas inscrit sur le registre ou pas capable de participer là-dedans. Maintenant, l'acteur est capable de dire bon, l'exécutif a décidé que c'est tout à fait, l'avancé a adelanté, et pour demander à Chita, Chita pour me dire qui ça, pendant que tout le monde est en amène déjà. C'est ça que fait. Nous-mêmes, nous n'avons pas participé à ce nous pas conseiller chef de l'État. Mais, il est président chaque haïtien. Et en plus, nous te prenons des engagements pour dériver sous pouvoir. Nous encourager. Voyons un signal positif. Instance qui a responsabilité pour mener référendum constitutionnel là. Pour organiser l'élection dans le pays. Pour le fonds adresse à la nation. Pour demander à l'instance ça, lui demander yo font si camper pendant 15 jours. Pour le cas dégager on là le consensus autour de projet référendum constitutionnel là. Nous pas qu'à seulement choisir Chita pour nous transformer pays en gâteau. Nous pas qu'à seulement Chita pour prendre des postes ministres, des postes direction générale, des postes ambassadeurs. Je dis à le moment est venu pour Chita pour nous planifier avenir haïtien yo, pour nous planifier développement pays. Parfait. Là maintenant, plan SPA écrit en pile parti politique, moi une dizaine de lettres qui en circulation sur les réseaux sociaux yo. Pour qui ça c'est parti ça on choisit écrit. Plan SPA écrit environ 150 partis politiques qui reconnus qui enregistré dans le ministère de la Justice. Des dizaines de lettres, où est yo, ça c'est la première lettre qui est allée. Gagné plus que 150 partis politiques sur une liste nous avons gagné qui gagne environ 251 partis politiques qui
enregistré, qui reconnu. Maintenant, nous voulons être là par le parti politique. C'est dans l'idée pour nous inviter ou venir dialoguer, ou bien c'est nous-mêmes qui convoquons le dialogue là, ou bien c'est nous-mêmes qui pourrons faire le dialogue là. Mais nous aussi détail. Non, place pas par une qualité comme parti politique pour convoquer le dialogue. Place pas nous sonner à la main. Nous dit acteurs politiques, après 216 années d'indépendance, nous pas qu'à seulement ces conflits que nous avons gérés. Nous pas qu'à seulement ces brigandages politiques que nous avons fait. Nous pas qu'à seulement ces manifestations que nous avons fait. Craser bien l'État. Craser business privé. Faire assassinat politique. Détruire moun. Nous dit jodiya, nous adresser nous à l'autre acteur politique pareil nous yo. Pour nous dire on fait politique là une autre gens. On suspend attaquer moun. On chita pour nous attaquer problème pays. On chita pour nous planifier développement pays. Après 216 années d'injustice sociale, de mauvaise gouvernance, d'absence de solidarité, mais qui ça résultat, mais qui ça s'abaille. Maintenant, démarche. C'est kidnapping, c'est gaspillage, c'est corruption, c'est insécurité. C'est violence. Jodia nous dit, acteurs politiques, conflit que comportement nous généré pendant 216 années, conflit ça y a transformé pays en véritable poudrière et qui pas prétend pour exploser dans le visage de chaque. Qui j'en ai pas le fait selon vous? Qui j'en dialogue ça possible là, je dis? C'est volonté chaque acteur. Et faites confiance. Après l'être ça, river joindre un pile acteur politique dans le pays, il y a des réunions nous au courant qui commencent à faire. Entre eux, il y a même acteur qui dit sous les zones. Même si c'est à coup départ président Jovenel Moïse, il faut que le dialogue la fête. C'est pour vous comprendre qu'il y a un niveau de conscience qui commence à prendre et à partir de l'initiative nous prend dans la partie place pas pour nous inviter acteurs politiques au dialogue et dialogue que nous avons parlé là, l'idée un dialogue franc, l'idée un dialogue sincère et dialogue ça que nous avons parlé aujourd'hui, c'est la seule, l'unique porte de sortie pour nous sortir dans la crise haïtienne ça qui conduit le pays à dans le niveau côté là, côté. Il y a environ 4,4 millions d'Haïtiens qui sont exposés à une catastrophe humanitaire. Parfait. Là maintenant, qui est-ce qui doit convoquer? Et, je dis, acteurs politiques doivent chita ensemble pour identifier qui instance qui doit jouer le rôle mis en jouet là. C'est responsabilité acteur. Le président de la République doit envoyer un signal pour faire marcher contre avec acteurs. À partir du moment que l'État fait adresse à la nation pour dire mais quelle décision qu'elle prend, lui demander comité qui en charge référendum constitutionnel là pour dire n'apprend 15 jours de trêve ou bien 8 jours de trêve pour gagner une consultation largement large qui fait autour
de projets, référendum, autour de problèmes kidnapping, autour de problèmes élections et tout leurs problèmes qui ont bouleversé le pays. Qui l'a encore fait ça dans le fait là? Sans délai. Je dis à même, c'est des décisions que chef d'État t'a dû prendre, je dis à même. Pas de délai, parce que situation grave. Mais est-ce qu'on estime, est-ce qu'on remarque qu'il y a une volonté, bon côté acteur, pour arriver à dialogue ça, je dis. Acteur, pas de le choix. Si acteur n'a pas fait preuve de volonté, peuple haïtien apprend acte et peuple haïtien apprend destin en main. Mon père est sur route, nous arrivons là, et j'en sais qu'on a habitué fait. Et c'est la communauté internationale, la pile fois, qui vient avec Mopal et qui dit mais ça doit passer, mais comment ça doit aller? Nous convaincus, acteurs politiques, élite économique, élite religieuse, élite intellectuelle, pour une fois, il a fait preuve de volonté pour retirer le pays dans la situation. Malouk ça. Mais au gain longtemps on te doit faire, on pas dire me faire. Pour qui sont quoi c'est jodi a on va le faire. Bon. Moi quoi, yo commencer comprendre que peuple haïtien pas capable encore. Jeunesse pays a perdu l'espoir. Moi certain, nous même dans parti place pas, nous convaincus que acteurs politiques yo commencer prendre conscience. Yo commencer comprendre que pays a c'est pour nous toutes liés, c'est pas président américain, c'est pas président dominicain, c'est pas président français qui vient résoudre problème pays d'Haïti, c'est nous-mêmes qui pour mettre tête nous ensemble pour nous transcender sous indifférence nous, sous mésentente nous, sous désaccord nous, pour nous placer intérêt pays d'Haïti en premier. Nous convaincus dans le parti PLANSPA, acteurs politiques, prennent des décisions pour finalement faire un acte patriotique pour retirer le pays dans la crise. Instabilité politique, ça, qui fait un pile tort à la famille haïtienne. Maintenant, si vous avez suivi la professeur Jodoni Lerisson, qui a dit, ah, professeur Lerisson, qu'on a fait dialogue, la parler là, ça n'est pas possible, je dis, ah, vu la situation, vu tout l'eau couler sous le pont, on a fait dialogue là, nous n'avons pas fait une well de bon oeil, mais comme PLANSPA passe, une nouvelle formation politique, et c'est une stratégie de communication, une stratégie pour que vous parlez de PLANSPA, qui fait que vous voyez tout l'être. Mais pendant que vous connaissez, bah, le dialogue, ça ne peut pas mener aucun côté. Si vous si on dit ça. Bon. Acteur capable de dire salut. Mais je dis, l'histoire a bien pour prendre note que nous-mêmes n'avons pas de place pas. Nous avons invité tout acteur dans le pays pour prendre chemin dialogue. Et nous avons fait comprendre dialogue là, c'est la seule porte de sortie. Et nous avons dit acteur, Haïti n'est pas encore en guerre. T'es qu'un autre pays dans le continent africain qui est dans une situation qui est plus grave parce que nous en Haïti. C'est à travers le dialogue qu'on résout le problème peuple. Il n'existe pas de génération spontanée. Jodia n'a pas rappelé pour opinion publique là, PLANSPA, nous vient transformer un parti politique après environ 2 ans, nous avons milité à travers tout le pays pour nous poser problèmes structurels. Depuis le PLANSPA fondé comme organisation
social. Nous t'es fondé avec des objectifs clairs. Nous t'es revendiqué fondation en l'autre l'État. Yon l'État serviteur. Yon l'État qui doit tendre tout haïtien. Yon l'État qui doit protéger et servir tout haïtien. Yon l'État qui doit gagner des autorités qui ont capacité pour définir des politiques publiques pour adresser problème réel. Parfait. Là maintenant, ta boîte très, très sombre, hein? Question insécurité, kidnapping, mon casse-moi, pour diable, c'est eux-mêmes qui ont kidnappé dans la rue là, il n'y a pas de rien encore, parce que y a des gens là qui font des dettes pour payer, bon, dit, qui hypothèquent tout plusieurs générations. Quand il y a des gens qui mourent dans le quartier populaire, sur ça passe Bel Air, la Saline, il y a plus l'autre quartier encore, où tu as souligné tout à l'heure, 4,4 millions de monde dans la situation d'insécurité alimentaire. C'est ça la réalité. Sur qui ça nous va dialoguer là finalement? Dialogue pour faire qui ça? Dialogue pour arriver à qui ça? Dialogue, un, pour planifier le développement pays. Deux, pour nous finir avec le conflit ça depuis la fondation nation qui érigeait en régime politique. Le conflit. Livin érigel en régime politique en Haïti. Il faut que nous dialoguions pour finalement nous transformer le conflit en opportunité pour développer le pays. Il faut que nous chita pour nous connaître qui a planifié l'avenir du pays d'Haïti. Il faut que nous chita pour nous planifier qui j'en pour nous doter Haïti de l'autre constitution qui pour créer équilibre entre les pouvoirs publics qui doit tracer comment l'État doit plus bien organiser. Faut que nous chita pour nous décider pour nous faire désarmement dans le pays. Pour les gens qui gagnent des âmes, pour nous rentrer dans des programmes, pour nous dans des programmes d'insertion sociale. Mais ça fait parce que kidnapper les gens, capturer les gens. Le problème de kidnapping, non, c'est le résultat de mes ententes, c'est le résultat de l'intolérance, c'est le résultat. Désaccord nous yo, c'est résultat injustice sociale, c'est résultat mauvaise gouvernance depuis environ 216 années d'indépendance. Mais il y a un ensemble de monde qui est là pour la sécurité dans le pays, qui a touché pour ça. Et bien justement, justement, Serginho, crise, instabilité politique là, intolérance nous yo, indifférence nous yo, désaccord nous yo, yo affaibli l'État. Yo détruit institution yo. Nous avons aujourd'hui un État affaibli. Ses conséquences, indifférence nous yo. Ses conséquences, désaccord nous yo. Ses conséquences, mésentente nous yo. Ses conséquences, mauvaise gouvernance. Ses conséquences, injustice sociale. Ses conséquences, mauvaise répartition de richesses pendant 216 années. Maintenant, Kounia, ou dit, il faut acteur t'as d'accord transcendé. Mais, bon côté acteur, non, comme non l'autre, pas de monde qui veut perdre. Tout le monde veut gagner et tout le monde a un agenda et tout le monde attaché à agenda. Comment on peut arriver à jouer une entente, à jouer un consensus, pendant que tout le monde veut gagner, personne ne va le perdre rien. Seulement à travers le dialogue. Tout acteur chita, il mettait intérêt pays en premier. C'est ça le plus difficile là. Non mais, comment le faire fête dans l'autre pays? Mais nous avons déjà, professeur. Et mais nous arrivons dans le dernier moment pour le fête là. S'il pas fait, pays a peut effondrer. Nous, si acteurs politiques, élite économique, élite intellectuelle, élite religieuse, si ils ne font pas halte là, pays
a effondré. Est-ce que vous regardez acteurs politiques, ouais, ça a dérangé, vous ne rivez plus mal que ça parce que... De, nous-mêmes, dans le parti Place Pas, nous croyons. Acteurs politiques, ils sont des Haïtiens. Ce n'est pas des étrangers égarés sur la terre d'Haïti. Ils ne sont pas d'accord pour payer, ils ont effondré. Et nous disons, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord pour payer, ils ont effondré, ils ont un seul choix. C'est prendre un dialogue. Mais par exemple, tu as dit que je dis, à l'autre côté, l'on a sorti quoi? Parce que tu as des cas, je dis, on ne peut pas passer. La réalité économique est très difficile. Gangsters sont tête. Par exemple, tu as dit que je dis. Il n'y a pas de cause. Fait que tu prends un exemple avec vous. Nous rappelons-nous. Mais je suis bouton, je suis malin. Nous rappelons-nous, gros bataille qui était gagnée. Sous régime, sous administration Michel Madelia. Mais c'est à travers le dialogue, oui. Où tu viens gagner et Vance Paul handicapé qui devine premier ministre dans fin mandat Michel Madelia. Ça te bail résultat. Mais c'est un problème conjoncturel. Le problème structurel est quand même entier. Je dis, pour nous poser problème structurel, c'est à travers le dialogue. Pour gagner une conscience collective qui agitait, et puis pour nous poser problème structurel. Parce que l'administration, la carte de lui-même, c'est un héritage. Même si l'État dit c'est un héritage, mais il y a même tout, administration qui a une responsabilité pour faire dépassement de soi. Pour permettre à ce que le dialogue-là réussisse. Pourquoi ils ne sont pas écrits exécutifs là tout? Non. Je dis, en tant que parti politique, nous écrivons acteurs. Exécutifs nous écrivons le parti au pouvoir, PHTK. D'accord? Place pas comme parti politique, pas ni qualité. Ni titre pour convoquer un dialogue. Mais place pas comme parti politique nous montrer dialogue là. C'est une nécessité. Et c'est la seule porte de sortie pour nous résoudre la crise haïtienne. Je dis, là où on dit que c'est démocrate, ou pas capable de refuser de dialoguer. Tout le monde qui refuse de dialoguer, c'est des antidémocrates. Donc, dans ce sens, nous, quoi, tout acteur politique, les gens qui sont dans la société civile, les dirigeants d'organisations qui défendent les élites religieuses, élite intellectuelle, ils pourront faire preuve de démocrate convaincu. Ou faire appel à dépassement. Mais... pour faire un dépassement, pour mettre de côté querelle. Parce que je dis, en cas de résultat, querelle. Uniquement ouvert une barrière qui séparait Haïti avec la République dominicaine. N'a uniquement ouvert qui résultat brigandage politique bail, qui résultat manifestation chaque jour bail, qui résultat destruction bien l'État au bail, qui résultat craser le business privé au bail. C'est chômage, c'est grand goût, c'est pauvreté, c'est insécurité, c'est kidnapping, c'est insalubrité, c'est un État qui affaiblit. Mais c'est autorité. Regardez de l'autre côté de la frontière, qui résultat
dialogue bail qui résultat entente bail qui résultat accord politique yo bail c'est développement c'est infrastructure routière c'est des infrastructures sanitaires l'arrivée en République dominicaine pas rien ou joindre en Amérique du Nord en Amérique du Sud en Europe qu'on pas joindre là en République dominicaine et je dis à lui pas normal pour des dirigeants dominicains après considérer Haïti comme une menace pour développer la Guyane. Oui, mais faut c'est pas rapport à ça qu'on fait ici. Yo. Donc, je dis, il faut qu'il y ait un dépassement fait. La Guyane est acteur politique. Yo. La Guyane est autorité qui est dans le pouvoir. Il faut qu'il y ait un dépassement fait. Si ce n'est pas ça, Haïti a effondré. Si ce n'est pas ça, alors, ou très optimiste, ou quoi que le dépassement va le fait, même si que. Nous convaincus, non, parti, plan SPA, pas trop longtemps. Et c'est Junior qui t'a dit où démarche ça que nous inscrit là-dedans, c'est par rapport à doctrine, c'est par rapport à idéologie que parti a chita sur nous. Nous sommes parti politique qui a fait promotion de la doctrine équilibriste politique et sociale. Équilibriste politique là, c'est l'unité dans la diversité. Équilibre politique là, c'est rassembler tout le monde qui a une bonne idée et un bon projet. Dans le cas où unité et changement. Je dis, moi-même avec vous, Serginho, nous ne devons pas avoir des choses dans un seul sens. Mais nous devons avoir un côté que nous rencontrer. Côté nous devons rencontrer, c'est côté nous devons discuter de intérêts supérieurs pays. C'est ça qui toujours manqué et c'est ça qui fait nous là toujours. Je dis à nous quoi, à travers l'équilibrisme politique, acteurs doivent faire un dépassement de soi. Parfait. Nous certains, Youri la tortue, gagne des bonnes idées dans notre vie. Nous certains que Don Kato a des bonnes idées. Nous certains que Moïse Jean-Charles a des bonnes idées. Nous certains que Jean-Bertrand Aristide a des bonnes idées dans notre vie. Nous certains que président Jovenel Moïse a des bonnes idées. En chita, pour nous rejeter tout ça qui n'est pas bon. Et pour nous additionner toutes bonnes idées. Pour nous élaborer des politiques publiques pour nous adresser problème éducation pays pour nous adresser problème relance agricole pays pour nous adresser problème santé pays problème infrastructure routière problème énergie en nous fait addition toute idée positive yo en nous fait addition tout bon projet yo, pour nous construire un gros projet, pour nous construire l'État moderne, un État progressiste, côté que chaque petit haïtien est capable d'assurer l'avenir. Je dis à lui, pas normal. 60% jeunesse pays, c'est là, ce domaine que elle étudie, c'est une fuite de devises liées pour pays a son fuite de c'est une fuite de capital. Parfait. Malgré tout, les jeunes haïtiens finissent étudier en République dominicaine et a confronté à une problématique d'intégration sous marché travail haïtien et sous marché travail dominicain parce que dirigeants Haïtien yo pas priorisé intérêt pays d'Haïti. Acteur politique haïtien yo pas priorisé intérêt pays d'Haïti. Yo toujours transformé pays a en un véritable gâteau tout temps pour y séparer. Nous jodi a
nous pas qu'à à parler seulement pour nous tirer des avantages personnels. Faut que nous parler pour nous planifier développement pays d'Haïti. Voilà, professeur Dieudonné Leysson, qui a dirigé le parti PLANSPA, qui écrit ensemble de structures politiques, de formations politiques, qui m'a dit pour réfléchir sur la nécessité pour chita parler, pour dialoguer, parce que PLANSPA, quoi, si pas un dialogue, ben, la cabine pirède, pita capitrice, et c'est autour de ça. Nous avons fait échange matin, la mise au point. Professeur Dieudonné Leysson, merci en pile, parce que nous sommes disponibles pour dialoguer. C'est moi qui pour remercier Serginho, pour remercier direction Général Télévision Nationale d'Haïti, le directeur général qui est un ami, et pour finir, PLANSPA, Parti Plateforme Nationale Secteur Populaire Haïtien, n'a pas réitéré notre appel au dialogue. Ce dialogue qui est la seule porte de sortie pour résoudre la crise haïtienne. Nous demandons aux acteurs politiques, aux acteurs économiques, aux élites intellectuelles, aux élites religieuses, toutes tendances confondues, de transcender sous nos indifférences, sous nos intolérances, sous nos mésententes, sous nos désaccord pour nous placer intérêt pays en premier. Le dialogue est la seule porte de sortie pour résoudre cette crise haïtienne. Parfait. Voilà, je vais donner l'élection au parti politique PLANSPA. Et ici avec lui, nous tapons bas de bouche. La mise au point, je vous dis, tout avec nous dès la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. We'll be right back.